Bonjour à toutes et à tous, c'est mon cinquième jour sans projet. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai forcément pas encore les retours de la vidéo d'hier, mais simplement je me suis éclaté à la faire celle d'hier, c'était trop bien. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'espère que celle d'aujourd'hui sera à la hauteur. Mais pour ça déjà, il me faut un mot et du coup il est temps d'aller choper ce mot dans le dictionnaire. Je déteste ce moment, c'est archi stressant. À chaque fois, j'aime pas ça. Calcite. Quel enfer! Carbonate naturel de calcium cristallisant dans le système rhombéodrique constituant principal de nombreuses roches sédimentaires. Quoi? Oh non! Est-ce que je peux trouver quelque chose avec ça? Bon, après être allé jeter un œil rapide sur internet, en fait la calcite c'est très très beau. Ça fait un peu penser au quartz, à ces choses là qu'on voit dans les magasins de minéraux. J'ai pas encore fait de photos dans les JSP, donc je réfléchis à ça, faudrait que j'appelle des magasins de minéraux à Bordeaux du coup pour savoir s'ils ont de la calcite. Du calcite? Je ne sais même pas. C'est un nom féminin, donc c'est bien de la calcite. Oui bonjour, je vous appelle car je suis à la recherche d'un minéral en particulier, je cherche de la calcite. Ouais. Ah, orange ça peut être pas mal. Ok, je vous remercie. À tout à l'heure. Donc il y a un magasin qui a de la calcite. Ce que je vais faire c'est que je vais aller du coup au magasin, je vais aller choper cette petite calcite. Et puis bah je vais voir ce que je peux faire avec, j'avoue que j'ai aucune idée, je vais complètement improviser. Et je sais pas si je vais arriver à faire un truc sympa à la fin, j'en ai aucune idée. Mais finalement c'est aussi l'intérêt de cette série, c'est que je ne sais pas trop où je vais, et ça se trouve je vais faire un truc nul, et ça fait partie du jeu. Allez, en route pour The House of Two Fairies, c'est le nom du magasin. C'est très joli en fait. Super joli en fait la calcite, et c'est pas cher du tout, c'est trop bien. Bon, j'arrivais pas à me décider entre les deux pierres, du coup j'ai pris les deux, je rentre chez moi et puis je vais faire des essais. La chevelue, faites de la moto, ça vous coiffe, c'est bien. Ok, donc j'ai mes deux pierres. Comme j'ai dit, je pense que je vais faire de la photo. Je vais faire de la photo et plus particulièrement de la photo macro. Pour ça, j'ai un objectif macro. Et ce que je pense faire, c'est me rapprocher à l'extrême des pierres. Vraiment m'y coller à tel point qu'elles emplissent entièrement l'image. L'idée que j'ai, en fait, c'est de créer des sortes de paysages abstraits, de jouer avec les reliefs, les lumières. Elles sont un peu transparentes, elles ont une brillance, donc je vais pouvoir balancer de la lumière dessus, voir un peu comment ça réagit, et jouer avec tout ça pour créer quelque chose d'assez abstrait finalement. Donc bah je vais essayer ça. Le seul souci, c'est que pour filmer ça, ça va être assez compliqué. Ma caméra, c'est aussi et surtout mon appareil photo. Du coup c'est compliqué de me filmer en train de prendre en photo tout en m'en servant pour prendre les photos. Bref, je vais voir comment gérer un peu tout ça. On a des cailloux à prendre en photo, donc on arrête de bavarder et on se met au boulot. Alors attention les yeux, vous allez découvrir mon setup. C'est ça. C'est juste mon téléphone avec les pierres posées dessus. Bon, et normalement bien sûr j'ai éteint la lumière. Là j'ai allumé juste pour filmer. Donc bah là c'est extrêmement simple en fait, je fais plein d'essais. Je pose les pierres du coup sur le flash de l'appareil photo, je les change de position, je les superpose, je prends des photos très 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 près, des photos un peu plus loin. Je fais plein d'essais et je vois ce que ça peut donner. Donc je vais continuer à prendre quelques images, j'espère avoir quand même quelques clichés sympas, au moins 2-3. Mais ça on le saura au moment du développement sur Lightroom et c'est maintenant. Alors une première chose à savoir pour les non-initiés à la photographie, j'ai pris mes photos dans un format qu'on appelle un format RAW. C'est un format très connu des photographes en général qui permet de garder toutes les données de la photo originale. Derrière, on va pouvoir les importer dans un logiciel de retouche photo, le plus connu étant Lightroom clairement, et on va pouvoir avoir une liberté folle sur le traitement qu'on a dessus. On va pouvoir gérer les contrastes, récupérer des informations perdues dans les hautes lumières, dans les basses lumières. On va pouvoir aller très 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 loin dans le développement de la photo et vraiment aller pouvoir comme ça chercher exactement le rendu qu'on veut donner à la photo. C'est aussi la raison pour laquelle les photos brutes de décoffrage comme ça là dans l'ordinateur, elles ont aucun contraste, aucune couleur, elles sont moches, elles sont plates, elles sont rien. D'autant qu'en plus, moi par-dessus, j'ajoute ce qu'on appelle un profil neutre, donc vraiment, elles sortent pas comme ça les photos. Donc là voilà, c'est à moi d'aller passer du temps dans les petits réglages, d'aller fouiller un peu, d'aller vraiment chercher à ajuster exactement pour avoir l'image qui plaise le plus à mes yeux. L'idée c'est vraiment de les transformer, je m'en fous d'avoir un truc qui corresponde à la réalité et tout ça. Là l'idée c'est de faire une création artistique, ou en tout cas quelque chose qui juste aille chercher l'esthétique. Ok, j'ai terminé de retoucher les photos, on se les regarde rapidement et on en parle juste après. Alors,
la première conclusion à tirer de cette journée, c'est que je ne suis pas photographe. J'ai ça dans le sens où j'aime beaucoup faire de la photo, mais je pense pas avoir ce regard qui sublime les choses. Ça n'empêche que ça reste un exercice super intéressant et que j'ai envie de continuer à en faire, et ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y aura pas plus de photos dans les JSP. Concernant les photos, j'en ai gardé 7 au final, 5 en macro et 2 un peu plus larges. Les macros, c'est presque celles qui me déçoivent le plus. J'entends par là que j'ai pas l'impression d'avoir exactement réussi à retransmettre ce que je voulais faire au début. Mon idée, c'était de créer une sorte de paysage abstrait, vous savez, presque comme les fonds d'écran d'ordinateur, où on sait pas trop si on est sur un paysage large, un truc un peu extraterrestre, un truc très très près. J'en suis quand même assez content, notamment deux qui sont un peu mes petites chouchous. La première, c'est celle-ci, que j'aime bien par son relief, avec ce triangle qui vient casser un peu tout en bas à droite, et les lignes de perspective qui partent dans le flou en haut à gauche. Mais la deuxième et ma préférée, c'est celle-ci, ce qui est assez drôle parce qu'au moment de la prise, j'ai failli la supprimer directement. Pro tip, ne faites jamais ça, attendez de les regarder sur ordinateur. En fait, ce qui me plaît beaucoup dans celle-là, c'est le côté découpé, le côté très dur de cette photo. On a comme l'impression que la pierre orange très très vive est découpée par un noir très 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 profond. Ça vient créer un contraste qui est super intéressant et qui est aussi, je trouve, accentué par le relief que crée cette diagonale qui part en haut à gauche. Et alors, la meilleure surprise, en fait, ça a été les photos larges. J'avais pas du tout prévu d'en faire au début, j'étais juste là, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant en faire des larges aussi. Et ce sont celles qui ont créé quelque chose de plus intéressant, je trouve. Ce qui me plaît surtout, c'est de savoir comment ça a été fait. Notamment celle-ci qui est probablement ma préférée, non pas dans sa composition qui au final est plutôt classique, mais plutôt dans sa réalisation. En fait, ce que j'aime bien notamment, c'est le reflet qu'il y a en dessous d'elle. On pourrait croire que c'est quelque chose qui a été fait grâce à une plaque en verre, grâce à quelque chose. Pas du tout. C'est la coque de mon téléphone qui reflète la pierre. Comme vous l'avez vu, la pierre était simplement posée sur le flash du téléphone, et en fait, avec la lumière, ça vient se refléter dans la coque de mon téléphone qui est assez brillante. Il n'y a pas besoin de grand chose au final pour faire une photo qui est de la gueule. Un téléphone, un caillou posé dessus, un flash, c'est tout. Donc c'est ça que j'ai surtout aimé en fait aujourd'hui, ça a été de créer avec les moyens du bord. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est une série basée sur la création visuelle, et ce que j'adore dans la création visuelle, c'est notamment d'échanger des points de vue. Moi, je vous propose quelque chose qui me plaît à moi, qui émane de mes points de vue à moi, et peut-être que vous avez des points de vue différents, peut-être que ça ne vous plaît pas, peut-être que ça vous plaît. On a tous des raisons, et ça, c'est super intéressant de se les partager, de les échanger, donc vraiment, venez en commentaire, dites-moi tout ce que vous avez à me dire. Pour du calme, je suis pas ton psy non plus. Voilà pour cet épisode 5, n'hésitez pas à le liker, le partager, vous abonner à la chaîne, vous connaissez, vous faites ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, moi, je vous retrouve demain pour un nouveau JSP. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.